Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec véhémence le comportement va-t-en-guerre affiché au Nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Pendant que tous les observateurs et prix de paix s'attendent au respect strict des accords et engagements de Nairobi et de Luanda par les terroristes RDF M23 comme le font les FARDC, l'on assiste à des mouvements des troupes RDF M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzu pour réoccuper leurs anciennes positions à Kibumba et à Rugari où ils ont installé leur quartier général avancé. Et ce, dans le secteur sous contrôle de la force de l'EAC. L'objectif de ce redéploiement est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ce fait la crise humanitaire et l'insécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale, la MONUSCO, différents mécanismes de vérification et la force régionale de l'EAC afin que ce mouvement terroriste respecte les accords et engagements de Nairobi et de Luanda.